Hey, salut à tous, c'est Adrien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 31 de Kami. Déjà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, nous sommes au temple d'Iriwaku et nous allons utiliser la mystérieuse pièce qu'a drop, qu'a lâché un des jumeaux pour rentrer ici, une porte dorée. Bien. Ça encourage très vite. What the fuck is here? Oh, d'accord. Donc nous avons une peur de piéger, des trucs qui tournent, donc je sais pas s'il va falloir tirer sur la porte. Genre maintenant. Ah, je dois aussi anticiper. Ils sont fumés. Non, je peux pas le déplacer, d'accord. Bon. Je pense que ma seule solution c'est de. Maintenant, on va essayer. Hop. Allez, allez, allez. All right. Très bien. Oh, Kami! What the fuck, man? Attendez. Par contre, c'est un sniper le mec, il est pas chier. Ah, là il y a un trou. Bon, je vais essayer de le casser avant d'y aller quand même. Ah, il tourne plus. Merde. Merde, merde, merde. D'accord, j'ai rien touché du fil, du coup. What? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai pas... Quoi? Attendez, moi je m'en vais, je me casse. Ok. Très bien, le jeu se fout de ma gueule, j'ai l'impression. Ça va le geler. Fuck. Comment est-ce que je fais? En fait, j'ai pas peur que le canon sera actif. Quoi? Quoi? Ouais, voilà ce que je pensais, le canon va s'activer. Alors je sais pas comment t'atterris là toi, mais t'y atterris. Alors maintenant tu vas là-bas, s'il te plaît. Stop! Please go here.
Mais rien ne se passe, c'est ça? Alors bizarrement pour moi, si quelque chose se passe, hein. Qu'est-ce que je dois faire avec cette boule? J'ai pas l'impression que c'est changé quelque chose. Je vois pas l'intérêt de la boule là. Une bombe, c'est débile. Je vais mourir. J'ai un rang de fou quoi. Oh putain, plus ils disparaissent quoi. Et oui, bien sûr, vas-y, putain, rends-moi malade. Je peux pas y aller maintenant, ça va disparaître. Ceux qui me tuent le pire, hein, c'est pourquoi est-ce que cela ne tire plus? Oh, oh. Tire! Attendez, il se passe un truc que j'ai pas capté là, c'est pas possible autrement. Quelque chose, c'est pas normal, il y a un bug, c'est passé un truc qui n'était pas normal. Bon, je vais recharger la partie. Clover. Oh Camille, oh Camille, oh Camille, oh Camille. J'adore faire ça. Bref, alors on y retourne au temple d'Iriwaku. On a qu'à faire comme si c'était. Et salut à tous, c'est Adrien, je vous retrouve pour un nouvel épisode de 31. Un nouvel épisode de Camille, j'espère que vous allez bien. Je déconne. Mais je comprends pas trop ce qui s'est passé. Est-ce que c'était prévu par le jeu ça que je galère ou. Je ne sais pas trop. J'ai l'impression qu'il voulait que je tire avec les canons qui pivotent. Ouais, ok, des canons rouges et des canons jaunes. Ouais, c'est qu'il faut bien que. Je défonce le canon jaune, non? Sinon, c'est pas de cette ville.
Hop, là je pense qu'il va tirer bien. Il tire plus? Putain, d'accord. Je me demandais pour qu'est-ce qui se passait, mais en fait non, ils se sont arrêtés parce que c'est normal, c'est prévu dans leur script. Ça n'empêche pas que je ne comprends pas. Il faut voir la suite. Bon. Ok. Il y a de la joie, comme on dit. Fail. Même Ama elle en a marre. Pour dire. Donc là il y a un truc à faire que j'ai pas capté. Seriously. You must be kidding me. Comment je le bute lui alors? Non, y'a rien à faire là. J'ai bien compris, il fallait que je fasse quelque chose, mais la question c'est quoi? Ah, non, d'accord. Non, je kiffe toujours ce canon de merde. Où est-ce qu'il y a la boule? What? Wait, elle est là. Ah, il m'a quand même tourné la tête, lui, genre. Non mais dites-moi là que je suis débile. Je comprends pas ce qu'il faut que je fasse. En toute honnêteté, je suis... perdu là. Ah, à part me geler là. Expliquez-moi au moins. Ah, peut-être que ça se fond. Enfin, ça fond, mais ça sert à rien.
Aïe. La question c'est à quoi sert-elle? Où est-ce que je dois l'insérer? Ça m'énerve d'être bloqué comme ça. Si la balle est là, putain, je suis encore fait toucher. Mais s'il vous plaît quoi, donnez-moi un indice. Oh là, ça m'énerve. Je sais pas du tout ce que je dois faire quoi. Il me donne une boule de glace et puis démerde-toi. Je sais pas, je vous avoue là ça m'a envie de déprimer. C'est un truc que j'ai pas capté quoi. Oh et puis putain de boulet de canon de merde. Non mais vous... ça par contre ça donne un... Mais bien sûr, vas-y, fais-moi repop sur le pylône de glace. Y'a pas de couilles. Et là je peux pas y aller? Non bien entendu. What?
ça me... Qu'est-ce que je vous dis, moi? Moi, j'en ai marre aussi, je veux dire, là, on entre dans le monde... Seulement, il y avait une vraie énigme, là, quoi. Seulement, ce passage dégueulasse. Bien que je joue avec ma passe. Non, là j'en ai marre. Non, là j'en ai juste marre. J'ai à mes yeux perdu trop de temps sur une énigme débile, voilà. Voilà ça, là, ça, là je prends plus plaisir, là ça m'énerve. Alors, oh bah je suis presque à la fin du jeu. Belle rentre quand on dit ça, je m'en fous. Avoir déjà la porte de droite. Tom Tiriwaku, non, partie 2 peut-être. Attends, je vais votre pinceau. Donc on va s'arrêter donc. Non, je suis plus celle-là. Là. Puis 5 plus 1 qui bombardent. Allumer les mèches des deux canons fixes avec des canons torches. Ceci mettra un quart de tour à se consumer, blablabla. Très bien. Voilà comment vous procédez. Comme ça. Et encore, j'ai réussi à me fail. Et il a réussi à tirer notre boule. Stop, stop, stop. Regarde, il joue comme il me troll. Le jeu, il se fout de ma gueule quand je veux tirer avec ces putains de... Non, non. Non, là, là, je suis désolé d'avoir triché, d'avoir regardé sur internet, mais j'en pouvais plus. Tout ça pour... Fuck. Qu'est-ce que t'as, toi? Gaffe, je suis un Materasu, moi. Je déconne zéro. T'es là, ça se transforme, ce bâtard. De la lumière, quoi, sans déconner.
What the fuck? J'aurais dû m'en douter. C'est à ça que tu sers, espèce de boule de merde. Tu m'as induit une erreur un milliard de fois et demi, quoi. Voilà, merci. Putain. Je suis désolé, mais... Des fois, je pense quand même que le jeu se fout allègrement de ma gueule. Non, pardon, s'il te plaît. Ah, c'est juste un poil, s'il te plaît. Merci. Ah c'est bon, ils sont cool, ils me l'ont remis là quand même. Ça m'a mis à faire les putes de l'extrême. Oh, c'est bon, quand ils sont gelés, ils sont gelés quoi. Ok, c'est cool. What? 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 C'est quoi le guac que je viens de me bouffer là? Guac over 9000? Je viens de me prendre tellement une tourniole du guac. Non, please. Mais si j'en supplie, épargne ma santé mentale, quoi. Je demande pas grand chose. Quelle idée d'enregistrer une vidéo à 22h aussi. Je suis con. Ah merde, je suis débile. Je me suis tellement pris une rafale de guac à la fin. Là. Le mec, il me dit Adran, je ne suis pas aussi facile. Il faut que tu utilises ton cerveau pour cette. Enigme. C'est possible d'être aussi mauvais, hein, sans déconner. Je veux dire, là, je bats tous les records là. Non, autant je veux bien croire que je suis pas bon quand je dois parler et que je me concentre pas, mais merde, j'ai quand même un minimum de gameplay dans les mains, quoi. Tiens, il y a un truc de merde là-bas. Il y a à se faire foutre. C'est quoi, tout le coup, c'est une vieille perle de merde, là. M'en faut 100, je crois, et j'en ai même pas 80. Il y en a combien pour le déperler les rentes pour le Laz? Let me know combien j'ai de perles, je peux pas le savoir. Perle. Non, pas perle. Non, je vais pas recevoir. Ok, va te faire foutre. Très bien, je vais me faire foutre. Marchand des monkeys, voilà. Hé, comment tu es venu jusqu'ici? Tu n'es pas venu nous envahir? Nous, pauvres peuples du temple de Shiboku. Un combat pour cesser le combat, la meilleure façon de s'y prendre, avec un zeste à faire, bien sûr. You just stupid, bro. Non, là, on se dit, je vois le boss de fin, quoi, je veux dire. Du coup, en regardant la solution, je me suis à moitié spoil, vu que je sais qu'après le tank d'Iroaku, il n'y a que Yamato, donc... Merde! Oh la loose! Si jamais j'ai fait l'enregistrement, je suis au fond du trou. Le troll ultime. Oh, salut! Okikurumi. Comment es-tu arrivé aussi vite, ma chachouette? En fait, je dois cela au loup et à son petit ami. Goro Pukuru est apparu après ton départ et m'a dit d'aider à Matarasu. Et si c'était le coin du loup dont tu parlais, bah vrai. Sulu a retrouvé ses forces quand ce Kuro Kukulu est venu. On aurait dit que le loup avait récupéré comme par magie. J'ai senti qu'ils avaient un lien et j'en ai conclu qu'ils seraient saufs. Je les ai donc laissés et je me suis précipité ici. Mais assez parlé à présent, je suppose que vous êtes ici. Ces démons doivent être quelque part devant nous. Alors Amaterasu, vas-tu te battre à mes côtés?
Parce que j'ai tellement le choix. Oh, esprit de l'air, de la terre et de la mer, accordez-nous vos pouvoirs divins. Blablabla. Fuck you. J'ai que ça à se dire, moi. Fuck you. Bien, par contre, on a ce combat sans Ama pété. Donc forcément, ça sera un peu moins facile. Voilà où s'étaient enfuis ces deux crânes de piaf. Ils voulaient se cacher pour récupérer leur force. Nous ne pouvons pas laisser s'enfuir ces machines infernales. Encore une fois, et nous sommes trop fatigués pour les poursuivre. Les laisser s'enfuir? Personne n'a jamais échappé à Denkomaru plus d'une fois. Pareil pour Kutone Shirika. Très bien. Et Fighter! Alors laisse-moi deviner. Très bien, j'ai compris. Pour l'instant, ils sont faibles à rien. Je suppose qu'il va falloir que j'utilise un peu tous les éléments. En fait, c'est un gros test de est-ce que tu te souviens de tous tes pouvoirs? Est-ce que je peux juste passer en mode bâton infini? Bon, attends, laisse-moi t'expliquer un truc, mon grand. Boum! Ah bah, Tarzou, ne te retiens pas, tire de toutes tes forces. Tire-moi de toutes tes forces pour les atteindre. Là, si je fous un coup de foudre. Boum! Petite explosion. Je peux avoir la foudre là. Encore une petite explosion. Boum. Alors d'une explosion. Invincible. I put my dick on your head. Bitches. It's very easy. Like a boss. Yeah. 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 Bref, j'arrête. Mais qui part complètement en couille. Les démons jumeaux qui étaient sortis de leur sommeil en haut du mont Ezufuji pour dévaster les airs de Kamui étaient vaincus. Ils disparurent dans une explosion de pétales grâce à Amaterasu et Okokurumi. Cependant, le nuage noir, sombre comme la nuit, se manifesta. Et Kibiyo, Kyubi,
Purishiku Inishiku. L'âme de tous les démons se mêla au nuage qui se dirigea rapidement vers l'arche de Yamato, au fond du lac Laoshi. L'arche de Yamato rassemble toutes les ténèbres de ce monde. Les paroles de Tsukuru résonnèrent dans le cœur d'Amaterasu. Tous ces sacrifices, toutes ces vies perdues, tout cela en vain. Shiranui, l'incarnation d'Amaterasu, il y a 100 ans, était épuisée par ce terrible combat. Mais à la vue de la lumière émise par Kutone Shirika, un léger sourire se dessina sur le visage éreinté du loup. Soulagé par ce mince rayon d'espoir, Shiranui se releva courageusement. Puis, de ses dernières forces, le loup blanc passa à travers le portail érigé par Ishaku pour rejoindre son monde. Amaterasu et Isun regardèrent s'éloigner Shiranui, sachant que de nouveau, le loup devait faire face au danger, affronter Orochi. Après avoir sauvé Izanagi d'une mort certaine et aidé les deux compagnons dans leur quête, Shiranui disparaîtrait en héros, marquant d'une pierre blanche le début de la légende d'Orochi. Et alors que le jeune Ishaku partait à son tour, son regard trahissait une inquiétude qui présageait un événement des plus mauvais. Oh! Ah, carrément! Vous avez obtenu un fragment solaire. Yoi! 136 000 Rio! Sauvegarde la partie. Bien! Eh bien, on va se laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Désolé pour les 20 minutes de galère, alors l'épisode aurait dû durer 10 minutes. Mais que voulez-vous, je suis un boulet. Bref, je vous retrouve très prochainement pour la suite et sûrement fin de Okame. En tout cas, la semaine prochaine, je pense que ce sera fini. Alors, je vous dis ciao les gens.